Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au New Deal, et plus généralement à la politique de Roosevelt pendant sa présidence. Donc, juste pour remonter un tout petit peu avant Roosevelt, on avait vu, pendant la crise de 29, le président en fonction, c'est Herbert Hoover, et donc il est en fonction de, 1933, de 1929 à 1933, c'est-à-dire vraiment pendant le cœur de la crise, et ce président, il est très très critiqué par la population américaine, parce que, on considère qu'il a une très mauvaise gestion de la crise, qu'il ne fait rien. D'ailleurs, son surnom, c'est le Do Nothing, ça veut dire littéralement ne fait rien. Et c'est en partie justement une des raisons pour laquelle la crise de 29 a eu une importance, a eu des répercussions aussi importantes. Alors, juste pour faire un détail, le fait que ce président soit appelé le, do, le président Do Nothing, c'est également lié aussi à la culture américaine, puisque la culture du laisser faire, c'est un concept qui est assez important en économie, et on considère généralement, dans l'économie la plus libérale, que le laisser-faire, c'est quelque chose d'assez important puisque l'économie se régule d'elle-même. Ça vient d'un concept qui est d'Adam Smith, qui est la main invisible, que l'on étudiera en économie. Donc la main invisible. Et donc, bien que, effectivement, ce président n'ait rien fait pour l'économie, c'était à la fois une volonté de ne rien faire. C'était pas simplement un, un oubli ou quelque chose comme ça, ça fait vraiment partie de la culture américaine. De la culture économique américaine de ne rien faire, parce qu'on considère souvent que ne rien faire, c'est mieux pour l'économie. Cependant, là, pendant la crise, ne rien faire, ça a eu des effets qui étaient vraiment euh, dramatiques. Et donc, le président qui a suivi euh, Hoover, c'est Roosevelt, qui est président de 1933 à 1945. On le voit ici sur la droite. Ici. Et Roosevelt, l'une de ses particularités, ça a été de faire des réformes assez euh, ambitieuses. Pour l'économie américaine. Donc ces réformes, elles prennent généralement le nom de New Deal, on va descendre un petit peu pour voir plus précisément ce dont il s'agit. Et le New Deal, c'est une politique vraiment interventionniste. Et ça, c'est très important dans l'histoire américaine, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, la logique, la, la culture américaine, la culture économique américaine est davantage basée sur le laisser-faire, c'est-à-dire que l'État n'intervienne pas, justement l'absence d'un État interventionniste. Et donc aller à contre-courant, pour Roosevelt, c'est assez ambitieux, c'est assez audacieux. Mais vraiment comme l'économie et plus généralement le monde est en temps de crise, en crise économique majeure, c'est nécessaire à cette époque de changer un peu la culture et d'essayer des choses comme ça ambitieuses. Donc cette série de réformes, le New Deal, elles vont se passer principalement entre 1933 et 1938. Quels sont ces objectifs Premièrement, de soutenir les couches les plus pauvres. Parce qu'on ne peut pas laisser la misère dans la rue. Et un, un pays, tout simplement, ne peut pas laisser euh, les gens mourir de faim, les plus pauvres mourir sans logement, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut réformer les marchés financiers. Parce que, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, l'une des raisons pour laquelle de, la crise de 29 ait pu avoir lieu, c'est qu'il y a eu vraiment une explosion du prix des actions qui n'était pas du tout lié à une augmentation pour autant de l'économie. L'économie se portait bien, mais non pas excessivement bien, alors que les actions, elles, le prix flambait complètement. Donc il y avait vraiment un décalage, jusqu'à la rupture, entre le prix des actions et la production réelle dans l'économie. Donc pour éviter ça, à l'avenir, il faut réformer les marchés financiers, établir de nouvelles règles, de nouvelles lois, qui permettent justement de limiter le pouvoir des actionnaires ou le pouvoir des sociétés, et donc de faire en sorte que ça n'arrive plus. Ça, c'était donc la deuxième chose. La troisième chose, il faut redynamiser l'économie américaine, puisque la crise de 29 a rendu l'économie américaine complètement morose. On l'a vu, les gens n'ont plus envie d'acheter, n'ont plus envie de consommer, n'ont plus envie d'investir, et donc tout ça, ça fait en sorte que l'économie américaine ralentit, voire s'arrête. Il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de faillites, et donc c'est très très difficile dans ce contexte de, de relancer l'économie. Donc pour relancer l'économie L'État va devoir investir énormément dans les entreprises américaines pour faire en sorte que, bien que la consommation soit absente, eh bien, il y ait quand même des rentrées d'argent et euh, une, une reprise, finalement, de l'investissement et de la production dans euh, la société américaine. Donc, ça, c'est vraiment les trois, les trois mesures majeures. Donc, on peut distinguer euh, deux périodes pour le New Deal. Une première période qui s'opéra pendant les 100 premiers jours juste après l'élection de Roosevelt. Et cette période des 100 jours, elle est très très importante aux États-Unis, puisque ça marque vraiment le début d'une présidence, et généralement, les présidents américains, encore aujourd'hui, profitent de ces 100 premiers jours pour annoncer leurs mesures phares, et tenter de les mettre en application les plus le plus rapidement possible. Donc ici, le, les mesures phares de Roosevelt, ça a été le New Deal, ça a été des, des mesures vraiment protectionnistes, voire à la limite du socialisme, ce qui est quand même très très audacieux pour les États-Unis, qui est vraiment un pays où le socialisme est vraiment souvent écarté. Donc ça, c'était les 100 premiers jours, les mesures, les, les mesures phares. Donc ça a une certaine influence, ça a une certaine efficacité, parce que ce sont des mesures vraiment basées sur la relance de l'économie, sur, sur l'investissement, et donc ce sont des mesures davantage monétaires plutôt que sociales. Le deuxième New Deal, on peut le voir de 1935 à 1938, et là, ce sont davantage des mesures sociales. Ce ne sont pas vraiment des mesures économiques au sens strict, donc ce ne sont pas des mesures d'investissement, mais ce sont plutôt des mesures, donc effectivement, pour protéger les couches les plus pauvres, pour protéger les salariés, pour éviter que les gens soient licenciés avec des abus, etc. Et il y a tout de même des mesures économiques, mais vraiment, ce qui peut marquer cette période de 1935 à 38, c'est vraiment qu'il y a plus de protection sociale pour les salariés. Alors cependant, cette deuxième période, ce deuxième New Deal. Il est un petit peu plus critiqué que le premier. Le premier, c'est. Il est considéré vraiment comme quelque chose d'assez important pour avoir marqué un tournant dans la crise. On distingue vraiment le, le cœur de la crise de 29 à 33 et ensuite une autre période au début de la présidence de Roosevelt où la crise finalement cesse, ou du moins est, est mitigée grâce justement à l'intervention de Roosevelt. La période de 35 à 38 est un petit peu plus critiquée puisque premièrement il y a pas mal de problèmes avec la Cour suprême. Donc la Cour suprême, c'est une instance supérieure aux États-Unis qui permet d'établir si, euh, si les lois peuvent rentrer en application ou pas. Et donc il y a pas mal de mesures qui sont rejetées concrètement par la Cour suprême. Donc légalement, il y a quelques problèmes avec la réforme. Et puis deuxièmement, économiquement, la réforme est assez coûteuse. Et donc ça renforce le déficit public, qui était déjà très très important, puisqu'on est tout de même en période de crise. On est au, au cœur de la Grande Dépression. Et donc l'économie américaine, euh, bien qu'il y ait des réformes, etc., pour tenter de la soutenir, L'économie américaine n'est pas à son fort. Et donc ces réformes, elles ont un fort coût sur l'économie, et ça renforce le déficit public. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour insister sur le New Deal, l'importance de Roosevelt dans ce tournant de la crise de 29, avec ces trois mesures phares de soutien des couches les plus pauvres, de réforme des marchés financiers, et de redynamisation de l'économie américaine. Et généralement, on peut dire que si Hoover, le président précédent, est assez unanimement critiqué pour sa gestion de la crise, à l'inverse, Roosevelt est assez unanimement acclamé pour le coup pour avoir réussi à tourner l'économie américaine, et à mitiger la crise, dans laquelle justement la crise de 29, le krach boursier, avait placé l'économie, et plus généralement le monde. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.